Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà donc l'association Plus d'Oxygène. Donc là on termine notre trekking dans le Haut Atlas marocain. Donc on a fait 6 jours de marche en fait dans le massif du Toubkal. Et donc nous voilà maintenant donc à Imlil. Donc là en fait on sollicite Aoun pour... en fait on a un projet, c'est d'aider un muletier. Alors donc ici nous on a besoin de muletiers pour comment dire, organiser notre trek. Et l'un des muletiers en fait nous a fait part d'une... d'une action qu'on pourra organiser avec Aoun, et donc en fait ce serait financer sa mule. En fait on a appris que la mule ne lui appartenait pas, c'est bien ça Amar? Oui c'est bien sûr. Et donc l'idée nous en fait ce serait d'une participation de Aoun donc par le biais de l'internet pour financer cette mule, donc le coût de la mule ce serait presque, on a 10 000 normalement, entre 7 000 jusqu'à 10 000. Voilà, donc en fait en dirhams, on arrive à 10 000 dirhams, on va dire approximativement 1 000 euros. Voilà, donc là on va vous présenter ensuite Hicham, donc qui est le muletier. Donc il faut comprendre que cette mule en fait va l'aider déjà pour vivre, pour des trekking, mais aussi pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire pour le transport, pour les courses, etc. En fait. Donc cette mule lui servira vraiment pour vivre. Là, vous pouvez voir là, je vous présente d'abord, c'est Hicham. Hicham, notre muletier, en même temps cuisinier. Et il me parlait normalement de son activité là, et ce qu'il a fait, il dit qu'il vit de ce mule là. Ce mule, cette mule là, c'est sa vie. C'est sans cette mule là, il peut pas gagner leur vie. Hein. Et là, il aimerait bien que vous aidez pour acheter sa mule pour eux-mêmes, pour être libre un petit peu. C'est tout ce qu'il a. Chocolat.